يدير مازال دنتو على ما غوغونس شكو الطاسي مازال بغانا دمسلاين غاف يدير سيال ثما نوماضا على تن يسوا اوكي مشكلة غا يعاش يدنا 45 سكوسن ديال اخبيلي امازيغ انت تسالسو مثلا ايغون كلية يا اللي يولي بغانا دمسلاي فلاس السيتيل تي بوغ ان تي كوساك الدنياس ادو على كا خاطر تصير ديش كانا ما ديش شاوية انما ذي قبالي عندي مازال نتوما ثاني ومازال يعني يقبالين التيديرن ديال ثما هما ضال ارتشكان بارد مسلين فلاس مذيا ذي مثلا محمد بوجناح التيديرن ديال المان في 86 يبغى غادي مسلا يا من سهم يلي سكاري ما كانت تولي ما كان في يدير ذا شور لا طريق دي جاي يدير ذي ثوثر ثنسيني وثزوارا سينير اي محمد بوجناح ازوف لك يا محمد ازوف لك يا رشيد ازوف لك يا كريمه ازول كريم هذه اللي سن محمد 24 تقول ستة دو على غوص قولنا نشتكي أو يفن محمد سلقي في الكين سوزنا تقول ذنوات محمد من ميقلة دي الألمان وش يخدم دي الألمان بون كيني خدمة قلي دبو 86 دونك بلوس دو 33 ans خدمة الانتربريتاريا الماركتينج عاش في السود دي الألمان دي فرايبورغ جوسكون 2004 et depuis 2004 qu'il sera des colonies c'est cher des colonies ben je dire la culture kabyle c'est je suis un peu à distance parce que on n'est pas nombreux l'un de les villes là je suis un peu il a un peu où ils sont un peu plus nombreux des Berlin des Francfort mais avec des colonies pratiquement où les chevaliers donc même beau un chaque les événements kabyles sont à Paris et garé enfin qui les aurait fait qui n'est dire qui m'intéresse le plus et garé car je pense que il dit il a il peut être dans la barre c'est un devoir de mémoire il a اسنق ازال الى قثنا اثنق ذي ليزارشيف باش كني غادي يقيم ستون سورس فيفونت سيرا ايغو من وياد ودا ديال سنابري يدير سيت ان شانتور كيما ستادير اون ايتي بيرسي بار لا موزيك اي نسو سيت ان شانتور كي كيني بيرسونيلمون يحوزي باسكو اسمي دي فار جيتي اكزاكتومون دي لاج لادوليسون سيتي ان ديبي دي زاني فان دي زاني 70 هان vrai que dire justement fi dire asmi di far c'était il dire asmi di soufar le premier disque ni c'était un événement je fais que chini bien sûr 75 76 voilà aigar c'est un événement parce que il a ifkayna de youth le قوه ifkayna de youth l'énergie et inhwaj le وقت ni d'ailleurs vrai غادي غلا juste un petit peu l'interview خدم دوك عمر مجني وينك ني دي لا نورفيج عمر مجني exactement ينايش دايور كشيني ثنيضاس باسكو كشيني عاش ديال جي ثنيضاس بلي كاسمي دي فري يدير اي يفكايا نغد شغل يجايا نغ نغال نتحبي ملا نغال on se sentait bien en tant que كابول surtout خلو قادي عشان دي أجي أي غير فغاك دي أجد هذا فاش تاقي باسكو ويدو يعاشنا دي لي زاني 70 وزميرنا دي السنين ناياقي سيدت وزميرنا راه تسيلن اي غار باسكو سي لو بوين كي فغاك تي دينا خاطر اي تي فريمون تري زيبورتو باسكو كل سي سكون اون ريسونتي سي ميم اللي كاين دي تيزي وزوز حوسه سو شي ماشي حاش يكونوا لي زالجيرو عمر مقني نيناش الوقت ني يناد سلاف الحوايج هناك اوسي اون تي دون اون بيريود اون ايبولوسيون Et c'est vrai, l'époque ni on était en ébullition et la musique ni dire un peu de la dignité, un peu de le respect, un peu de la pouvoir.
C'est vrai avec des nègres aussi. Il dit, on peut le comparer à des chanteurs à peu près comme Bob Marley. Mais c'est la musique, hein? Mais c'est la musique. L'effet de Bob Marley, c'est comme l'effet d'Idir. C'était aussi une musique qui a donné, qui a véhiculé des valeurs, l'africanité, les valeurs, la culture des Caraïbes. Idir, il a fait la même chose. Yves Kayenad, c'est la musique Inès. Il a véhiculé des valeurs qu'il a transmises à travers la musique Inès. Je voudrais avec Dénir aussi. Dénir aussi, il a fait. Parce que j'ai suivi un peu les interviews, même les télévisionnaires. J'étais intéressé parce que il m'a bercé, mais aussi la personne Inès m'a influencé. Je me suis inspiré, c'est le style Inès. Même le style Michel Diner, la personne Inès aussi, elle reflète beaucoup de valeurs. Il dit, mais c'est que la musique Inès, elle reflète des valeurs, mais même la personne Inès. Hein? Par exemple, Atta Sidi Karn, il dit, ça a une qualité, c'est la simplicité. Hein? Ouais. La simplicité, c'est une valeur, mais une valeur que j'ai vue dans tous les groupes Nilidir. Yuk les musiciens ni, yuk le groupe ni, il reflétait de la simplicité. J'ai eu l'occasion une fois de discuter avec un de ces musiciens, c'était Smith. Hashmi Blali. Personne ne s'est éloigné, il est mort en 2013. J'ai ressenti que ça aussi avait une simplicité incroyable. C'est-à-dire, j'ai ressenti que le groupe, les musiciens, ça a une simplicité qui est une valeur. C'est une valeur, et à vrai dire, la culture ancestrale n'a qu'à bien. On connaît une. C'est une valeur, c'est sur cette valeur qu'on construit qu'il a pu construire justement le génie Nils, sur la simplicité. Justement, beaucoup de choses. Par exemple, c'est transmettre la musique à Guinidir aussi pour d'autres Ibdou Kansen. Et par la musique Nidir, oural s'mhas les autres chansons Kabil, par exemple comme Karima, oural s'mhas même Slimane Azem se laisse des fois, elle est arrivée même à se des fois Slimane Azem n'a été mégalette, mais bien sûr les derniers temps avec Slossi et Alawa. Mais si Nidir est là, c'était Nidir que Swiss est là, hein. Yural Tsatura, non seulement la musique Inès, mais c'est par la musique Nidir qu'elle pouvait s'identifier avec la Kabylie. Ouais. C'est le lien, Yidir, c'est le lien entre elle et la Kabylie. C'est le lien. Ouais. Vrai, Dinevani, une chose, Rachid. C'est un chanteur marocain, Inayesh. Yidir, c'est la voix du Maghreb, la voix de Tamazra. Pas Maghreb, c'est Tamazra. Inayesh, c'est un chanteur marocain, Inayesh. Comme
Fayrouz. Il n'est que la voix de Macharak. Il n'est que pour moi, il dit c'est la voix de Tamazra. De Tamazra. À ce point, j'aimerais bien que tu racontes une petite anecdote. Vas-y, là. Milliard de Freiburg, j'ai connu un Kabyle, il m'a invité, mais là, un étudiant, il m'a invité à venir dans une petite fête à venir avec des étudiants, l'un des étudiants allemands. Mais Bavardina, au fur et à mesure, il dit, le premier temps de retour, c'était en 86. Mais Bavardina, je pensais que le temps de retour, c'était d'Akvelini, c'était Dibouin. Finalement, le 33 tourni, il appartenait à une étudiante allemande de Glendina. Au faire les étudiants de Glendina aussi, les musiques, ni dire la musique bien sûr. Hein. Après ça, mes erreurs, Brix et l'allemande, c'est des boules 33 tourni, je lui ai demandé, ni racin, si c'est de Michi du sel, 33 de Regan, si c'est de boules. Je lui ai donné. Je fais des études d'arabe, littérature et islam, c'est-à-dire la science de l'islam, les sciences de l'islam. Je suis en Tunisie, une année, un semestre de l'université de Tunis, un étudiant américain. L'étudiant américain, il a aussi une sédée en Tunisie, il cherchait de la région, de l'Afrique du Nord, la musique de la région, les belles musiques qui reflètent vraiment la culture de la région. Elle a aimé. On va dire tout ça, c'est pour le temps de la tournée, c'est possible dans l'Allemagne, on va automatiquement le montrer à ses amis. Ou les amis aiment la musique, ils ont aimé. Mais derrière tout ça, je voudrais dire, tout ça dans l'Afrique du Nord, ou la Tamazra, pour apprendre l'arabe, c'est le temps de la tournée. C'est parce qu'elle a ressenti que c'était vraiment le chanteur marocain qui n'aime pas que c'est la voix du Maghreb, la voix de Tamazra. Et ben Thagui, elle a la Tunisie, c'est le 33 Tunisie comme un souvenir de la région. Vraiment c'est frappant, hein. Ça va de la langue arabe pour la langue ancestrale. Juste encore une petite histoire que j'ai vécue encore avec une Allemande sur le même point. J'ai une Allemande de Guinée. Bon, on discutait un peu sur l'Algérie, sur la culture kabyle, sur la culture berbère. On va d'une fois comme ça, en tout cas, une fois, je gagne un CD, elle a deux enfants, je gagne un CD, Nidir, Bouni Yithid. Je n'ai jamais parlé de la musique, Nidir, la fille, la Walou. Elle m'a ramené, ils m'ont ramené le CD, Nidir, ou Fahimar, elle m'a ramené, comment elle est venue à l'idée. Elle s'est mise de Mougara. En quelle année, Mohamed? C'était en 2004. 2004 en 2005, c'est une Allemande qui dit Cologne. Bouni le Sidini dir, après j'ai comment tu es venu à l'idée? Et bien, voilà, j'ai été chez une amie, l'irriste de culte, des colonnes, c'est là ça, dès le CD Nidir. Mais c'est la musique née. J'ai pensé tout de suite, que la musique est née. C'est une musique berbère.
elle n'a jamais écouté de musique kabyle ni de berbère à mich à qui il n'est après quand j'ai ça fait neuf n'est ça mich un site de bout n'est sur Paris qu'est-ce donc après lui expliquer comment on a amené le CD. Et là aussi c'est un exemple qui montre que vraiment Yidir c'est il le reflète c'est vraiment la voix du Tamazra. C'est il reflète vraiment la région et la culture de la région. Elmir. Dans la thoma Kerima Kerima mseas qbalit mseas francis kni mi wa mi salma salmanit qatou la ma tmsa salmanit. كريمة ده شو ده حلفو إنهم مثل ده بون غور مكمينية سيكوا يدير ده شو تيدير pour toi pour moi oui j'ai compris bon pour moi c'est comme mon père il a déjà dit c'est le lien avec ma culture c'est quelqu'un qui m'a inspirée dans plusieurs sens. Je joue aussi de la guitare, je chante. Et pour moi, c'est aussi, c'est pas seulement un chanteur, c'est pas seulement quelqu'un qui chante, parce qu'il y a, il y a de la musique qui est belle, mais Idir, c'est un artiste. Il est capable. Ce qui fait un artiste pour moi, c'est quand on est capable de toucher, de émouvoir, toucher les émotions. Ouais, toucher les émotions des gens des différentes cultures. Et c'est ce que j'ai vécu aussi avec mes amis, par exemple, quand je leur ai montré, voilà, ça c'est la musique de d'où vient mon père et tout ça. Ils l'ont toujours aimé. Il a ce plus. Oui, ce plus qu'il est capable de vraiment de pas seulement toucher, mais aussi de inspirer les gens des différentes cultures de partout dans le monde. Et oui. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de lui, de dire soit par la guitare, soit par la voix. J'ai pas les paroles. J'ai pas les paroles, mais je j'ai un petit morceau. Un petit morceau. J'ai essayé une fois au Fir d'Oro, mais je vais l'essayer comme ça. Essaye là. Ouais. Ufian doro din ka, ufian doro din ka. Efkirtilo fan yedha. Yefkirach sevarish. Yun and Yefa, then Mana. Hey, Lel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 
la France des couleurs, c'est pas vraiment où se passe à la mer à Knitzet. Knitzet, par exemple. Bien sûr. Parce qu'il dit à un certain moment donné, il est passé à notre stade, il veut s'adresser à nos enfants qui sont nés ailleurs, il veut leur dire comme quoi votre langue, votre identité, elle s'inscrit dans l'universalité, elle peut cohabiter avec d'autres cultures. C'est ça la stratégie de Idir, et je pense que on a reçu son message. Hein, vraiment, Voilà, c'est pour ça que surtout nous en Europe, à l'étranger, il était, c'est-à-dire je voulais la musique, elle nous a accompagnés, après elle a accompagné nos enfants. Tout à fait. Nous cède la musique après il s'est adapté, disons, il s'est inspiré de ce qu'il vit en France, donc après il s'est adressé aux jeunes, donc il a accompagné Raouna aussi. C'est ça la force de Idir, il a touché toutes les générations, comme l'a dit un de nos ceux que nous avons interviewés. Idir, il a touché toutes les générations. Idir, il est écouté par les vieux, par les jeunes, par les hommes adultes. Il a touché toutes les tranches d'âge et de la société. C'est ça la force de Idir. Exactement. Ouais. Enfin, c'est Niach et Bouid, c'est même un devoir d'Adna Darfless. C'est un devoir de mémoire. Niach, il a qu'adirim, c'est une source. Les générations d'Yasna Paré, les générations de musiciens. Ou la Karan Khdem Amzish, parce que nous connaissons la culture nazish, on l'a pas protégé, on a gardé les archives, on a gardé les archives. C'est formidable. Tout à fait. Il le faut. Sur l'humanité, sur les gens, partout. Hein. Voilà. Parce que, par exemple, le Bourek, l'exemple, c'est la voix de Tamazra. Hein. C'est une chose que, jusqu'à présent, à part le chanteur, il y a une autre télévision, j'ai vu, je trouvais ça. Vérité, c'est un chanteur qui l'a dit. Fayrouz, c'est la voix de Mashraq, Idir, c'est la voix de le Maghreb, bon, c'est Nine Tamazram. Et ça, c'est un chanteur berbère qui chante beaucoup plus en arabophone. Hein? Wow. Il est dans une télévision qu'à TQ5. Hein? Elle a été interviewée et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, mais cela, les interviews avec lui, il y a des choses qui, il dit ça, c'est que je trouve très intéressant. L'interview de Khadmadak de Meghennini. Mais sinon, on était en ébullition. C'est vrai que c'est vrai, c'est juste accident à cas. Mais il faut qu'il dise le temps de voir tourner une samizouro, c'était un événement. Ouais. C'était un événement. C'était une semaine qu'il y a des et maintenant, après le CD, différent avec le CD, à peu près. Le connaît à Tizi Ouzou, c'est la même chose. Et après, en plus de ça, après, juste après le CD, il y a eu un autre événement qui nous a donné encore de l'énergie, c'était le doublé de la JSK en 77. Tout à fait.
Et l'ébullition elle s'est développée à la mettre le haqq à les événements 80. Tout à fait. Maman, ça veut dire que pour moi, Nkini, pour moi, Yidir, il a contribué indirectement toute l'énergie Nini qu'on a soissine vdar mais le haqq à les événements 80. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Mathwaled, quand il a commencé les chansons, c'est le premier qui a commencé les textes de Moukla, Femoulthou, Mazir, Moukoulek, Doud, etc. Voilà. Après le match de finale de 77, Zeth Boumdien, c'était la première fois que les supporters de la JSK ils ont scandé et Mazir. Tout à fait, c'est vrai. Dans l'histoire, c'est la première fois, effectivement. Et c'est et dire, il est pour quelque chose, hein, parce que voilà. Ils ont toujours voilà. 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 Et le donc, premier, le premier à citer le mot Jugurta. Qui connaît voilà. Le mot pas. Voilà. Oui. Donc il faut le CD en de l'été 76. Après l'été, en 77, la finale de la Coupe d'Algérie, l'ébullition n'est la plus de CD ni dire. Après le match ni la finale, c'était quelque chose, c'était aussi un événement. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu te rends compte regarde les événements, hein? Eh bien, ouais. Bravo Mohamed Boujnah, parce que tu viens de mettre le. Vraiment un point, il n'y a personne qui l'a dit. Voilà, l'été d'après, c'est la GSK. La GSK. Deux, c'est la continuité. Voilà. Après, c'est le 14. Voilà, exactement. Il y a un Rachid, parce ouais. Que j'ai ressenti, c'est comme si on a oublié vraiment la période ni les années 70. De l'interview de Médak ou de Mégani quand il a dit ébullition, ou si dit Nera Kanaka. Parce que c'est vrai que la génération Agintoura, Zmernera Thissine. Donc Zmernera Thissine, la valeur ni dire, ce n'est en tant qu'un chanteur, il a de belles musiques. Mais Bachat Thissine, vraiment l'effet Inès, la valeur Inès, la Kat Thissine, il est important de tisser une lance des années 70 où des jours de oui, des jours de oui la musique indienne. C'est les filles qu'elle a eu la musique indienne, Lena. Hein, elle nous a réconfortés. Qu'elle a de le respect, qu'elle a de la dignité. Jane, ça c'est maintenant bien. Les deux trois messages essentiels de ton intervention. La voix de Tamazra. Voilà. L'éveil identitaire avec Nouva GSK et 80. Et troisième point essentiel que tu as abordé, c'est que grâce à Idir, nos enfants, ils ont un lien avec la Kabylie. Ça, c'est important de le dire. Les enfants, ils ont de l'étranger. Parce que Rima, elle a... Bon, elle a pleuré. Mais après, c'est aussi Snaïd, comme ça, Snaïd, Amchid, et Fkir, Amchid, transmettez la musique Nidir. Moi, je vais le faire à mes enfants aussi. Eh bien, c'est un bon message, ok. Mohamed, nous avons fait un petit mais ça, c'est quelqu'un qui a un point de guerre. Le mot de la fin de dernière, après, nous avons fait un petit أنت يا مود لفتة دينير نرى الحج عم فيد المسافر في لفتة دينير. ب شاكين يا ث ما أعتقد مثل لا سيسير لا تصلح وجه إنز بلد منين في ذير. م يوسعي سيتوسك جير عبير. سينون أسنين يوكي وذا عسلن أزلم قران سيجي سي كولون. Et voilà, donc je vais continuer à être comme là, les hommages à Gafou de Bar. Mohamed, Karima, tu as un mot de la fin, Bolan Guérot et Deneb? Oui, j'espère que même la nouvelle génération, elle va transmettre cette musique à ses enfants. oui,
Voilà. Dire, il va rester éternel. Hein. Donc, ouais, on va, voilà. Nos arrière-petits-enfants, dans 2000 ouais. ans, ils vont parler de lui, comme on est en train de parler de Jugurtha, de Massinissa, de Jashnar et ceux qui ont fait l'histoire de la Kabylie et de la Tamazra d'une façon générale. Mohamed Tenmir, Karima, merci beaucoup. أقبل إلى أمازيغ سومتا يسعان غسولة متدران ذي تمورا الفراني سيان مليل ذويلين نظام ذي تنقيين نظام ذي نقيمات ذي تلويث